Bonjour, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un instrument tout à fait original puisqu'il s'agit d'une boîte à rythme qui s'actionne à partir d'un fader. Avant de se lancer dans le patching, on va essayer d'établir un protocole en décrivant un à un tous les comportements de notre instrument. Tout d'abord, j'ai un fader que je vais diviser en un certain nombre de zones. Chaque zone déclenchera un son différent. Je vais également faire en sorte que le même son soit déclenché lorsque j'incrémente ou je décrémente la valeur. Et pour uniformiser cet instrument, je vais faire en sorte que chaque zone déclenche une note MIDI afin de pouvoir le rendre compatible avec mes VST instruments. Enfin, je vais ajouter deux fonctions musicales. La première consiste à quantiser le déclenchement. Je vais contraindre le déclenchement des notes suivant une grille de quantisation liée à la mesure, au temps, à la croche, etc. Et je vais aussi ajouter des modules qui vont me permettre de contraindre les notes à une gamme particulière. Donc pour commencer, on crée un nouveau rack, on double-clique sur le patch vide qui est automatiquement créé et on va chercher un fader vertical. On le met tout de suite en integer et on l'appelle trigger. CTRL-L, POM-L pour déverrouiller l'interface et je positionne mon fader de sorte à ce qu'il ait l'aspect que je cherche à obtenir. Je vais lui donner une couleur. Donc là pour l'instant j'ai un fader qui va de 0 à 1. Je pourrais renseigner une valeur maximum, mais ce qui va m'intéresser, c'est de laisser à l'utilisateur la possibilité de définir le nombre de zones qu'il souhaite utiliser. Donc je tire un fader max, je vais lui mettre un maximum de 32 par exemple, valeur integer. Je vais aller dans les modules chercher un pop-up et je vais mettre tout de suite mon fader max dans pop-up. En effet, ce fader va servir une fois pour paramétrer notre instrument. Après, on ne sera plus amené à le modifier a priori, donc je préfère le cacher dans un pop-up. Pour la beauté de l'interface et le distinguer d'un fader de jeu, je vais enlever le curseur, je vais enlever le fader, je vais laisser value pour l'instant. On peut voir que le maximum de mon fader trigger est défini par la valeur max ici présente. Je vais mettre 16. Ensuite, je vais avoir besoin de jouer une note MIDI à chaque fois que cette valeur va être amenée à changer. Nous allons donc aller chercher un module create MIDI. MIDI generator create message. Nous n'allons pas le patcher pour l'instant. Je vais ajouter un module asChange que je relie à mon trigger. Ce module asChange va nous permettre de déclencher un trigger à chaque fois que la valeur change. Il est fort probable que cette valeur va m'être utile à plusieurs endroits dans mon patch. C'est pourquoi je vais le relier à un quicklink que je vais appeler triggerNote, ce qui me permettra par la suite de récupérer l'info à plusieurs endroits sans avoir à tirer 50 câbles depuis ce module. Je vais d'ores et déjà aller chercher un module quantizeTrigger, dont je vais relier la sortie à mon create. Sur mon module createMIDI, je vais aussi m'assurer que j'ai bien noteOn comme message généré, et je vais mettre une valeur de 100 sur le code 2 qui correspond à la vélocité de ma note. Avant de connecter une sortie à mon module MIDI, je vais aller chercher un module transform. Et enfin, je peux le relier à mon MIDI out. Dans le module transform, je ne vais pas me soucier de la root note. Je vais simplement tirer un combo box sur scale pour pouvoir définir le type de gamme que je souhaite obtenir. Je vais mettre également ce combo box dans mon pop-up. Donc on peut voir que mon fader varie d'une valeur minimum de 0 à 16. Je vais avoir envie de changer ces valeurs. La première chose à faire, peut-être d'ajouter un module mathématique plus. Et un fader MIDI note pour pouvoir définir la note de départ. Là aussi, je mets ce fader dans le pop-up et je vais l'appeler root. Ça me permet ainsi d'ajouter 36 à ma valeur minimum pour démarrer ma séquence à partir de la note 36. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas l'information que cette root note est bien affectée à mon trigger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les propriétés visuelles de ce fader en faisant un clic droit. Et je vais enlever Show Value. À la place de ça, je vais faire correspondre la note qui sort du plus à l'entrée symbole. Pour ça, je vais chercher un module IntegerToString qui va me permettre de convertir la note en texte. Et là, je peux voir que si je coche symbole à la place de Value, ma root note est bien prise en compte. Si je veux aller plus loin dans le réglage de mon trigger, je peux également ajouter le module MapperValue pour pouvoir définir chacune des notes entrantes.
À ce moment-là, je vais tirer un bouton Show Editor que je vais mettre aussi dans le pop-up. Je mets ma rootNote à 0 et je peux définir mes valeurs une à une, sans nécessairement respecter de chronologie. On voit bien que ces valeurs sont reportées au fader. Retournons dans notre patch. Sur l'entrée transform, on va pouvoir également renseigner la longueur de note. Alors ce paramètre n'est pas utile si on pilote une boîte à rythme, parce que pour déclencher des samples de drum, il suffit juste d'envoyer des notes on. Mais si on se retrouve à piloter un synthétiseur par exemple, on va avoir besoin aussi de définir une note off qui intervient quelques secondes après la note on. Donc ce fader sert à définir cette longueur, sachant qu'à 0, il se comporte comme s'il était désactivé et n'envoie plus de note off. Je vous ferai un exemple tout à l'heure pour que vous compreniez bien ce principe. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus complexe à appréhender du patch, à savoir développer un système pour analyser si notre mouvement s'effectue de manière croissante ou décroissante. Pour cela, je vais aller chercher un module variable ainsi qu'un module weight. Ce que je vais faire, c'est que je vais relier ma valeur au weight et le weight à l'entrée variable et le module asChange à l'entrée affect. Alors, je peux soit la relier directement, soit tirer un câble et récupérer depuis le quicklink la valeur. Ensuite, je vais aller chercher un module plus petit que, et je vais relier la sortie de ma variable en A et la sortie de mon fader en B. Cela permet de faire une comparaison entre la valeur qui vient d'être jouée et la valeur précédente. J'envoie 1 si la valeur est plus grande. J'envoie 0 si la valeur est plus petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi un weight après le quantize trigger et un module moins avec le résultat de ma comparaison sur l'entrée B et la valeur de sortie sur l'entrée A. Je vais relier cette valeur au code 1. Ça va avoir pour effet de rejouer la note qui vient d'être jouée si j'effectue un mouvement redescendant, ce qui va me permettre de jouer plusieurs fois la même note d'affilée et augmenter mes possibilités d'expressivité. Dernière chose, je vais tirer un module sur Quantize, une combo box, pour pouvoir définir le type de quantisation. Si je regarde les possibilités qui me sont offertes, je vois que j'ai des valeurs musicales ainsi que intervalle. Intervalle ne va pas me servir ici, en revanche, je vais avoir besoin d'une position où aucune quantisation n'est appliquée. Donc pour ce faire, je vais aller sur mon module Quantize et mettre 0 sur intervalle. Afin de rendre la description plus claire, remplacer intervalle par none. Je vais mettre une fois de plus ce paramètre dans pop-up. Nous allons pouvoir tester notre système. Pour faire mes drums, j'utilise le plugin Citala, qui est un freeware qui permet d'affecter 16 sons à 16 notes. Il offre des possibilités sommaires de réglage, mais suffisantes. Alors j'ai juste oublié le plus important, à savoir de relier mon asChange à mon inQuantize. Je vais prendre un contrôleur et je vais faire un MIDI Learn sur ce fader. Je peux également, tant que j'y suis, faire un learn sur la quantisation. Là, je vais me mettre en 16. Ce qui est super pratique, c'est que je vais pouvoir dupliquer ce rack, changer ma banque de son, faire un learn avec un deuxième fader. Voilà, c'est aussi simple que ça. Afin de comprendre les fonctions de MIDI transform et de mapping qu'on a intégrées à notre patch, je vais également importer un synthétiseur. Donc je duplique, je supprime Citala. Je fais un nouveau learn. Alors on peut voir que la note ne s'arrête pas. C'est là qu'intervient le paramètre length. Donc là, on peut voir que c'est assez limité avec un mode chromatique. Alors on va essayer une gamme. C'est déjà un peu plus intéressant. On va mettre une quantisation plus lente et une note plus lente. Je peux également, si je veux des réglages plus fins, revenir en chromatique root 0 et aller dans mon mapper value et définir des notes 60. Voilà, donc là par exemple j'ai défini que des octaves, je vais faire découper en 4 zones.
Alors, je voulais vous faire profiter d'un petit bonus quand même avant de se quitter. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les presets dans Usine, sachez qu'on a la possibilité de créer des presets sur à peu près n'importe quoi. Des presets de patch, des presets de rack, et notamment on peut sauvegarder aussi le réglage de son VST instrument sous forme de presets, ce qui peut être super pratique pour appeler différents kits très simplement. Donc je reviens sur mon site Ala, ici. Donc là j'ai un réglage de 808 par exemple, je clique sur le petit appareil photo de mon patch, je crée un nouveau preset, je l'appelle 808. Je vais chercher un autre son qui me plaît. Là, je peux l'appeler, je vais l'appeler loud. Boom, un troisième. Après, je peux très simplement, toujours avec mon contrôleur là, aller faire un learn sur ces petites flèches. Voilà, je peux très simplement changer de son. Ce qui étend quand même pas mal les possibilités. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de cet instrument un peu atypique et amusant. J'espère que cela saura vous inspirer. L'idée étant pas nécessairement de reproduire ça, mais de comprendre un peu le cheminement qui nous conduire d'aller d'une idée à sa réalisation. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.